Après, les abeilles, bah, nous, elles sont toutes dans des ruches en bois, avec de la cire d'abeilles. Il n'y a pas de cadre en plastique et ce n'est pas des ruches en plastique. On est quand même dans un secteur qui est quand même très naturel. Je veux dire, on n'est pas dans les grandes cultures. On a la chance de pouvoir travailler dans un milieu naturel, quoi. Après, l'extraction du miel, donc, il est extrait à froid, dans la foulée où on le récolte. Et on le laisse maturer entre 3 semaines et 1 mois avant la mise en pot. On le valorise en le transformant en hydromel. Là, on a fait une bière de châtaignier. J'ai en projet de faire du pain d'épices et tout ce qui est gourmandise à base de miel, donc nougat. On a aussi une pâte à tartiner à base de miel, donc noisette et miel crémeux. Et on a aussi du vinaigre aromatisé. On travaille aussi avec un monsieur en Alsace, donc de Fellerin, qui nous transforme la propolis et le miel en savon. On va essayer de développer vraiment tout un tas de produits pour valoriser ce qu'on a et vraiment ne pas vendre du miel en gros. Pour nous, ça vaut pas le coup.